Salut à tous fans d'Halo, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Il aura fallu être patient, mais la série Halo arrive enfin dès le 28 avril sur Canal+. Avant toute chose, il est important pour tout fan qui souhaiterait s'y lancer de prendre note de quelques points. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, certains pays dont les États-Unis ont déjà pu voir 5 épisodes sur les 9 qui sont annoncés pour compléter cette première saison. Un retard de diffusion en France lié au fait que Halo est la série phare de la plateforme Paramount+, plateforme de vidéo à la demande qui n'est pas encore disponible en France. Pour l'occasion, c'est Canal+ qui propose en exclusivité les épisodes de la saison 1. La série Halo est pour autant l'une des séries les plus attendues de l'année, tout du moins en Amérique où Halo est un énorme morceau pour eux. Prenez bien note que la série n'est pas faite pour ne parler qu'aux fans et va ouvrir de très nombreuses portes sur beaucoup d'éléments qui ont pu être aperçus dans l'univers étendu du jeu vidéo. Par ailleurs, l'inspiration de cette série est beaucoup plus portée sur l'univers étendu du jeu plus que sur le jeu vidéo en lui-même. Pour que cela soit possible, sans pour autant perdre ceux qui n'ont pas lu les livres ou qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo, la série a très vite été annoncée comme non-canon. Alors voilà quelque chose qui chiffonne pas mal de monde, qu'est-ce que ça signifie que la série ne soit pas canon? En réalité, la série lance un tout nouvel univers autour de la saga Halo. On y retrouve de nombreux personnages connus de l'univers des livres ou des jeux, mais les différents éléments ne seront pas tout à fait réalisés de la même façon. Ainsi, la trame scénaristique tourne autour du Major, le personnage emblématique de l'univers de Halo, en prenant l'initiative de bousculer le vieux pour créer du neuf. Dès le jeudi 28 avril sur Canal+, vous pourrez donc redécouvrir l'univers de Halo avec des modifications qui auront bien souvent pour objectif d'épaissir l'univers et de le complexifier, ainsi que créer beaucoup plus d'émotions autour de nos personnages préférés. Ainsi, au lieu d'avoir une série d'actions remplie d'actions et de scènes de combat, nous prendrons le temps de connaître nos personnages et d'étudier chaque relation de personnages au sein de l'UNSC, comme par exemple la relation entre le docteur Halsey et le Major. Halsey étant une grande scientifique humaine, ayant créé par exemple le programme Spartan que nous connaissons, ou encore Cortana, la mythique intelligence artificielle de l'univers de Halo. Il est à noter qu'en version française, David Kruger, l'illustre interprète du Major dans les jeux vidéo, sera à nouveau la voix de notre Major dans la série. La série Halo a d'ores et déjà été renouvelée pour une saison 2 et un record d'audience a été noté pour la plateforme Paramount+. Cette série est notamment produite par Steven Spielberg, mais également par 343 Industries, les responsables du jeu vidéo Halo. On retrouvera aux commandes des épisodes Stephen Kane et Kyle Killian qui ont pris le temps d'écrire de très nombreuses versions avant d'arriver au résultat final. Il avait été noté que 265 versions ont été écrites avant de valider celle qui a servi à la série. Les événements de cette première saison se passent avant la découverte du premier Halo, une origin story si l'on peut dire, qui aura pour valeur de nous montrer comment l'UNSC se comporte face à la puissance des Covenants. Vous pourrez retrouver au sein de la série Pablo Schreiber qui interprétera le Major, acteur ayant joué par exemple dans la série American Gods. Natasha McElhone qui jouera le Dr. Halsey et qui a déjà été vu dans la série Californication. Ou bien encore de nombreux autres acteurs comme Olive Gray, Yera Hinn, Danny Murphy ou encore Bokeem Winbine. J'ai très certainement écorché certains noms. Nous couvrirons la sortie de la série sur Halo.fr, alors si vous êtes intéressé, restez dans le coin, il y aura beaucoup de choses à dire, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou encore via des reviews écrites sur le site en lui-même. Je n'ai plus qu'à vous dire à très vite, à bientôt, salut à tous, vive Halo !